tu mérites l'honneur, la gloire et les paroles qui viennent de nos cœurs. Ces paroles, ces cantiques que nous avons chantés viennent de nos cœurs, Papa, avec l'aide du Saint-Esprit. Merci de les avoir agréés. Et merci de nous répondre par ta parole de vie et par ta parole qui est la vérité, par le Saint-Esprit. Au nom de Christ Jésus, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue dans sa présence. Bienvenue dans sa présence. Alléluia. Voilà, le fait que nous aurons le séminaire de papa en ligne ne veut pas dire qu'il ne viendra plus. Ok? Mais en attendant qu'il ne vienne dans son emploi de temps super chargé, nous lui avons demandé l'autorisation de diffuser ce séminaire et il l'a accordé. C'est un signe d'amour et d'appréciation qui nous porte. Ok? Donc, ne vous découragez pas, il va venir. Ok? Il va venir, il a déjà promis. Il promet rarement, et quand il donne sa parole, il la tient. Il la tient toujours. Ok? Donc, continuons de prier et de nous préparer aussi. Vous savez qu'on doit l'honorer, n'est-ce pas? On ne va pas l'accueillir comme on accueillerait le pasteur Doudou. N'est-ce pas? C'est pas la même chose. Nous devons le mettre dans d'excellentes conditions. Pour cela, nous devons nous préparer. Préparons-nous déjà dans la prière. Alléluia. Nous allons partager notre dernier message sur la série de la génération Caleb. Et après, nous commencerons une nouvelle série appelée La foi conquérante. Toujours dans le cadre de la saison des saisies de montagne. Mais nous n'avons pas oublié Caleb, hein? C'est un autre secret que Caleb nous donne, que nous actualisons toujours en Christ, n'est-ce pas? Caleb n'est pas notre modèle. Dis à ton frère, Caleb n'est pas notre modèle. C'est Christ notre modèle. Deux Rois, chapitre 2, verset 1 à 14. Deux Rois, chapitre 2, 1 à 14. Alléluia. Est-ce qu'on est content de recevoir la parole de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Alors écoutez avec attention. Ne laissez pas la chaleur vous alourdir. Ok? Écoutez de tout votre cœur parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la mienne. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi de dire. J'étais déjà dans la foi conquérante. Mes notes étaient complètes. C'est quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a imposé de dire aujourd'hui. Parce que c'est lui le maître. Alléluia. Deux Rois, chapitre 2, 1 à 14. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partit de Gilgal. Dites avec moi Gilgal. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Dites avec moi Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Verset 4. Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Dites avec moi, Jéricho. Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?»
Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Dis avec moi, « Une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau d'Élie, le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et il dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Alléluia. C'est un passage vrai de l'Ancien Testament que nous devons contextualiser afin d'être en harmonie avec ce que l'apôtre Pierre appelle la vérité présente. La vérité présente, c'est l'actualisation des vérités éternelles de Dieu qui ont été dites dans le passé et qui doivent se contextualiser aujourd'hui, d'abord en Christ, mais aussi dans notre situation d'aujourd'hui. Quand on parle de la vérité présente, on n'est pas en train d'annoncer de nouvelles révélations, parce que les Écritures ne changent pas. Alléluia. Mais nous devons comprendre les dispensations dans lesquelles le Seigneur travaille. Par exemple, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu a travaillé avec plusieurs hommes de foi qui étaient des polygames. Ok? Dieu a mis ça entre parenthèses et il est allé à l'essentiel. Mais la vérité présente dit aujourd'hui qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. C'est la vérité présente. Alléluia. Donc retourne-toi vers quelqu'un, dis-lui, mon frère ou ma soeur. Et tu vas le dire, dis-lui, mon frère, quel que soit le niveau de ta foi, la vérité présente te dit que tu n'as pas le droit d'être quoi? Hein? Un autre exemple de la vérité présente, c'est que pour être sacrificateur, il fallait avoir été juif et de la tribu de Lévi. Et même pas forcément dans toute la tribu de Lévi, mais dans la tribu de Lévi, tu devais avoir été descendant d'Aaron. Et la vérité présente, c'est que Christ a fait de nous un royaume des... Pour être roi en Israël, il fallait avoir été descendant de David en Juda. Mais la vérité présente dit qu'en Christ, tout cela est balayé. Mais les principes avec lesquels ceux de Aaron et de Juda devaient opérer restent. Mais ils doivent être contextualisés en Christ. Amen. Un autre aspect de la vérité présente, c'est que dans le passé,
Dieu avait mis les femmes entre parenthèses. N'est-ce pas? Il travaillait avec les hommes. Mais il y a eu quelques exceptions comme Déborah et compagnie. Mais la vérité présente stipule qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Alléluia. La vérité présente, par exemple, il y a une liste d'aliments qu'on ne devait pas consommer. N'est-ce pas? Par exemple, les poissons sans écailles. Il ne fallait pas y toucher. Qui te donne le droit de manger la silure aujourd'hui? Tu crois au Dieu d'Abraham et tu manges la silure, un poisson sans écailles. Mais je suis dans la vérité présente. Christ nous a affranchis de tout ça. Mais il faut bien comprendre l'Ancien Testament parce qu'il y avait des mesures d'hygiène. La connaissance ayant augmenté, l'homme maîtrise mieux les mesures d'hygiène. Et ça fait qu'on peut manger du porc, même si je n'aime pas beaucoup. Vous savez, le porc est un omnivore. Vous le savez? C'est un omnivore. Toutes les maladies de l'homme se trouvent aussi dans le porc. Donc Dieu a voulu préserver son peuple en lui disant « Ne touche pas au porc parce que c'est un omnivore. » Et comme vous n'avez pas encore les mesures d'hygiène pour élever les porcs dans certaines conditions, je vous préserve pour que vous gardez en bonne santé. Mais aujourd'hui, tu peux manger du porc avec modération. D'accord? Il y a quelqu'un qui entend, « Ah, est-ce qu'on peut prendre l'alcool ?» Je ne te répondrai pas. Je choisis de ne pas te répondre. Fais ce que tu veux. Peut-être que nous aurons le temps de le dire à l'époque, pour être loin du Saint-Esprit, il fallait soit être prophète, soit être roi, soit être sacrificateur, ou avoir été lépreux et avoir bénéficié de la grâce. Mais dans la vérité présente, en Christ, n'est-ce pas? Nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Plus que l'onction, peut-être qu'on va toucher à cela. Amen. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est de voir qu'il y a plusieurs étapes. Il y a le Gilgal, il y a Bethel, il y a Jéricho, et il y a au-delà du Jourdain, là où Élisée a pu recevoir le manteau d'Élie. Considérons maintenant que Christ est notre Élie, n'est-ce pas? Et qu'il est monté, savez-vous que son manteau est resté? Oui, nous sommes maintenant dans la vérité présente. Comment nous allons comprendre les principes et les actualiser maintenant en Christ? Élisée nous apprend quelque chose qui reste valable aujourd'hui. Que si nous mettons en pratique, je vous promets avec la plus grande des certitudes, le manteau de Christ va être actif sur nos vies. Ce qui n'a pas pu arrêter Élie n'a pas pu arrêter Élisée après. Parce qu'il avait son manteau. Ce qui n'a pas pu arrêter Christ ne pourra pas nous arrêter si nous avons son manteau. Mais la beauté de ce passage se trouve dans ses extrémités. Il y a deux extrémités. Il y a Gilgal et au-delà du Jourdain. Et ce qui est étonnant, c'est que les deux extrémités sont des lieux de communion. À Gilgal, il n'y a que deux personnes, Élie et Élisée. Et au-delà du Jourdain, il n'y a que deux personnes, Élie et Élisée. À Bethel, il y a plusieurs fils de prophètes. À Jéricho, il y a plusieurs fils de prophètes. Et même près de Jéricho, il y en a 50. Vous voyez la sélection. Mais non, les vraies choses sont dans les extrémités. Alléluia. Les vraies choses sont à Gilgal et au-delà du Jourdain. Certes, il y a la prophétie à Bethel, des prophéties vraies et authentiques. Certes, il y a des prophéties vraies et authentiques à Jéricho. Mais les vraies choses ne sont ni à Bethel, ni à Jéricho. Elles sont dans les extrémités, dans le point de départ, qui est Bethel, Gilgal, et la ligne d'arrivée, qui est quoi? Au-delà du Jourdain.
Et je veux vous partager de la ligne d'arrivée appelée la double portion. Alléluia. Notez ça. La ligne d'arrivée appelée la double portion. Si Gilgal est le point de départ, appelé la circoncision du cœur et de la chair, se fait à Gilgal. C'est tellement important, Gilgal, parce que ceux qui ont brûlé l'étape de Gilgal n'ont pas pu arriver au bout. Les fils de prophètes de Bethel et de Jéricho n'ont pas pu arriver au-delà du Jourdain. Pour quelle raison? Simplement parce qu'ils ont brûlé l'étape de Gilgal. C'est ce que Caleb nous apprend. Il dit, je dois posséder pleinement ma montagne, ma promesse, mon héritage. Pourquoi? Parce que j'ai marché pleinement dans la voie de l'Éternel. Les autres ne l'ont pas fait. Et pourquoi j'ai pu marcher pleinement? C'est parce que j'ai marché dans la droiture de cœur. Et il dit cela à Gilgal. Vous vous en souvenez? Tout commence dans le cœur. Si ton cœur est circoncis, tu es qualifié pour arriver jusqu'au bout. Si ton cœur n'est pas circoncis, tu as beau avoir un cœur nouveau, mais tu ne pourras jamais, jamais arriver jusqu'au bout. C'est pour cela qu'il est important que nous laissions le Seigneur circoncis nos cœurs. Et comment circoncit-il nos cœurs? Par sa parole. Souvenez-vous de la parabole du semeur. Bon, maintenant que nous savons qu'il est important de laisser le Seigneur circoncire nos cœurs, je vous en supplie, ne brûlez pas l'étape de Gilgal. Quoi que ce soit que vous ayez à faire, commencez par le commencement, c'est Gilgal. Ne brûlez pas cette étape. Oui, il y a une gloire à Bethel, il y a une gloire à Jéricho. Mais si vous lisez attentivement ce texte, le Saint-Esprit nous dit quelque chose. Élie et Élisée descendirent de Gilgal à Bethel. Donc Gilgal est un point plus élevé que Bethel. C'est très important. À Gilgal, il n'y a pas de communauté. À Gilgal, il n'y a pas d'assemblée. À Gilgal, il n'y a pas d'église locale. À Gilgal, il y a le croyant et son Seigneur. Gilgal, c'est ta chambre de prière. Gilgal, c'est ce que Jésus appelle ton lieu secret. Là où il n'y a personne d'autre que celui qui voit dans le secret, le Père. Gilgal, c'est pas ça. C'est parce que j'ai été à Gilgal que je peux me tenir devant vous et vous parler. Et ouvrez vos cœurs et recevez. Et allez travailler ce que vous allez recevoir dans votre Gilgal. Oui, il y a une gloire dans l'église locale. Il y a une gloire dans des réunions comme ça. C'est très important. Je ne suis pas en train de minimiser cela. Mais il y a une gloire plus grande quand on reçoit l'enseignement comme ça et qu'on va maintenant le personnaliser dans la communion avec le Seigneur. Alléluia. Et d'ailleurs, ceux qui se préparent avant de venir au culte, ils reçoivent mieux que ceux qui viennent comme ça. Dans la conférence d'où je viens, je disais à un moment, c'était étonnant. Étonnant. Comment toutes mes questions trouvaient des réponses pendant l'enseignement. Au point même que le message de conclusion de ce fameux homme de Dieu, son message de conclusion, le titre de son message de conclusion, c'était « Mon attente ». Parce que ils sont sages. Quand nous sommes tous prêts pour partir, c'est une conférence des pasteurs. Ils envoient un mail, ils disent à chaque pasteur de dire quelle est son attente. Ils disent, ne venez pas comme ça. Asseyez-vous et dites-vous à vous-même quelle est votre attente. J'ai pris une journée dans la prière avant de partir. Jusqu'à ce que je saisisse, en fait, je vais là-bas pourquoi? Et je vous assure devant le Seigneur, mon attente écrite que personne n'a lue était le titre de la conclusion de la conférence. Le titre, mes amis, quand il a donné le titre, là où j'étais assis, j'étais rempli d'onction, comme s'il m'avait touché. Parce que si l'esprit me touche,
peu importe ce qu'un homme me touche ou pas. Ne venez plus jamais à l'église sans vous être préparé. Qu'est-ce que tu es venu chercher aujourd'hui? Tu es venu juste parce que c'est dimanche? Eh bien, tu entendras un message du dimanche. C'est sérieux, mes amis. Notre Seigneur est-il vivant? Il est vraiment ressuscité? Il est vraiment assis sur le trône? Son nom est-il vraiment au-dessus de tout? Il est le même encore aujourd'hui? Sa parole est la vérité? Est-ce que nous avons l'autorité? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que nous allons saisir nos montagnes? C'est sérieux, mes amis, c'est sérieux. Il y a des gens qui n'ont rien de plus que nous. Je vous dis, rien de plus. Rien de plus. Mais qui vivent ces réalités. Ils n'ont... Écoutez-moi. Je vis au milieu d'eux. Je ne les connais pas de loin. Je les connais de très près. De l'intérieur. Ils ont des failles là où nous sommes plus forts. Nous avons des leçons à leur donner dans certains domaines. Je vous assure. Est-ce que vous me croyez? Et pourtant, ils vivent plus que nous. Vous savez, celui qui n'a pas de but n'arrivera jamais au bout. Regardez comment Élie teste Élisée. Il lui propose plusieurs fois de s'arrêter quelque part. Mais l'homme avait un but. Alléluia. Si tu montes dans le train à Casa Voyageur, d'accord? Tu montes dans le train qui va à Fès. Personne ne te fera descendre à Ensba. Personne ne te fera descendre à Mohamedia. Personne ne te fera descendre à Rabat. Personne ne te fera descendre à Salé. Personne ne te fera descendre à Kenitra. Parce que ta destination, c'est quoi? C'est Fès. Et nous sommes en crise, pourquoi? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qu'on cherche? Si c'est le mariage que tu cherches, c'est ta ligne d'arrivée. Mon ami, quand tu auras reçu le mariage, c'est fini. Tu deviens un chrétien flegmatique. Parce que tu es arrivé. Si c'est le travail, si ce sont les enfants, si c'est le ministère, même l'apostolat, même les miracles, même les résurrections des morts, tu ne peux pas aller au-delà de la ligne d'arrivée que tu as déterminée à l'avance. Quelle est ta ligne d'arrivée dans la chrétienté? Pourquoi es-tu en Christ? Quel est ton but? Élisée avait un but. Et c'était lequel? C'était lequel? La double portion de l'esprit d'Élie. Qu'est-ce que ça veut dire que la double portion? J'ai besoin d'un volontaire qui peut venir devant. Un volontaire. Voilà, merci. Élisée demande à Élie la double portion par l'esprit de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? De son esprit. Supposons qu'il soit Élie et que je sois Élisée et je lui demande la double portion de son esprit. D'accord? Oublions d'abord l'esprit. Ok? Je lui demande la double portion, pas de l'esprit de quelqu'un d'autre, de son esprit. Donc, mettons entre parenthèses le mot esprit, je lui demande la double portion de ce qu'il a. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça? Ok. Bon, je me suis préparé. Ça, c'est un billet de 100 dirhams, n'est-ce pas? Je te donne. Supposons que c'est tout ce que tu as. D'accord? Donc, tu as combien? 100 dirhams. D'accord. Et si je te demande de me donner 200 dirhams, puisque c'est le double de ce que tu as, comment tu vas faire? Tu dois m'exaucer, Seigneur.
Ça n'a pas de sens que je lui demande le double de ce qu'il a. Le maximum de ma foi serait de lui demander la totalité de ce qu'il a. N'est-ce pas? Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te donner le double de ce qu'il a. Cela voudrait dire lui demander ce qu'il n'a pas. Merci, c'est à toi, c'est un cadeau. Merci. Je m'étais préparé, j'avais prévu même ça. Il y a encore un volontaire? Donc, le Saint-Esprit parle comme ça pour nous laisser bouche bée. On ne sait plus quoi faire. On ne comprend plus, d'accord, ce que lisait de moi. Il dit, bienvenue. Maintenant, vous êtes préparés pour la sagesse de Dieu. Je ne peux pas vous donner le double de ce que j'ai. Cela voudrait dire vous donner ce que je n'ai pas. Regarde. Élie sait très bien qu'il est en train de partir. Donc, ce n'est pas difficile pour lui de donner tout ce qu'il a. N'est-ce pas? Ce n'est pas difficile. Il est en train de partir. Supposons même qu'il ait été égoïste, Élie. Mais si tu sais que tu pars, pourquoi tu vas t'accrocher à ça? Mais il dit, tu demandes une chose difficile. Tu me demandes plus que ce que j'ai. Mais si tu me vois quand je monte, c'est-à-dire quoi? Si tu me vois quand mon boss va me prendre, alors lui va satisfaire ta demande que je ne peux satisfaire. Est-ce que quelqu'un entend ça? Donc Élisée était en train de dire à Élie, je regarde à celui qui est derrière toi. C'est pas à toi que je parle. Tu es un envoyé. Je parle à ton boss. Je n'ai pas besoin de ce que tu as. J'ai besoin de ce que celui qui t'a envoyé a. Tu m'as révélé que l'Éternel était vivant. Regardez comment Élisée parle. La première parole d'Élie quand il apparaît. Dans 1 Roi 17, il dit l'Éternel est vivant. Le Dieu devant qui je me tiens. Élie prend les propos d'Élisée. Et il le répète. Il dit, tu m'as révélé que Dieu est vivant. Dans ce temps d'Akab, où le culte de Baal a rempli Israël, nous ne savions plus si Dieu est vraiment vivant. Est-ce que Jésus est encore le même? Nous ne voyons même plus des miracles. Mais il y a des gens sur terre maintenant que l'Esprit a oint pour nous montrer que Jésus est le même. Il est vivant, il n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité. Mais ils ne sont pas là pour qu'on s'accroche à eux. Ils ont été oints pour nous reconnecter au Seigneur, le vivant. Donc Élisée dit à Élie, écoute, je n'ai rien à recevoir de toi. Merci de m'avoir révélé que l'Éternel est vivant. Donc je vais te demander ce qui te dépasse. Je vais te demander le double de ce que tu as. Je vais te demander ce que tu n'as pas. Je vais te demander ce que tu ne peux pas me donner. Cela veut dire, je veux m'adresser à celui qui t'a envoyé. Je veux m'adresser à celui qui a fait de toi ce que tu es. Je veux m'adresser à celui qui t'a donné ce que tu as. Vous avez saisi ça? Là d'où je viens, personne ne m'a touché. Je vous assure. Mais je ne suis pas sûr que quelqu'un ait reçu plus que moi. Je ne suis pas sûr. Et je vous passe même les détails. C'est ma vie. C'est mon secret avec le Seigneur. Tu dois avoir ton Gilgal aussi. Amen. Les hommes de Dieu nous sont donnés pourquoi? Pour nous révéler le Dieu de l'homme. Mais tu peux t'arrêter à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est venu pour montrer le Dieu de l'homme. Dis à quelqu'un, ne t'arrête pas à l'homme de Dieu. Attention, je ne prêche pas le manque d'honneur. Vous entendez?
Je ne prêche pas le manque de reconnaissance. Attention, je sais que nous sommes avertis de ces choses. Alors, la double portion, c'est une parole biblique, n'est-ce pas? Donc, elle doit s'expliquer par la Bible. OK? Parce que là, maintenant, nous sommes dépassés. Alors, la même parole qui nous a dépassés doit s'expliquer à nous. Question très simple. Où trouve-t-on dans la Bible d'autres allusions à la double portion ou à la portion double? C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Je vous pose la simple question que le Saint-Esprit m'a posée. Quand il m'a emmené à réaliser ce que je vous ai illustré, et que maintenant j'étais arrivé au point où je ne peux plus faire fonctionner mon cerveau. C'est ça. C'est votre intelligence qui vous trompe. Parce que vous savez, c'est difficile d'emmener quelqu'un plus loin dans un domaine où il pense savoir, où il croit être un expert. Mais quand Dieu confond notre sagesse et qu'il confond notre intelligence, quand il nous humilie, alors nous sommes prêts pour apprendre. Quelqu'un veut apprendre? Voici une question simple. L'Esprit dit, où trouve-t-on dans la Bible d'autres allusions sur la double portion? Et nous avons les outils. Tu as la Bible dans ton téléphone. Je tape double portion, ça me donne trois passages. Commençons par le premier, Deutéronome chapitre 21. Deutéronome 21, 15 à 17. Nous allons comprendre la dimension d'Élisée. Vous savez, sa prière était une prière élevée. Alléluia. Sa demande était élevée. Caleb demande une montagne, il ne demande pas n'importe quoi. Quel est le niveau de l'héritage que tu veux recevoir? C'est une montagne, mes amis. Alléluia. C'est quelque chose de difficile, d'immense, de big, de gigantesque. Si un homme, Deutéronome 21, 15 à 17, si un homme qui a deux femmes, vous voyez l'importance de la vérité présente? Donc mettez ça entre parenthèses, d'accord? D'accord? Et que les frères disent? Amen. Sinon je vais bloquer ton mariage. La sœur là te dira jamais, oui, je veux bloquer ça. Parce que tu as des projets bizarres. Si tu renonces à ce projet, je te débloque. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, vous voyez, Dieu le sait. Hein, dans certaines religions, on dit que tu peux aller jusqu'à quatre femmes, mais à condition que tu les aimes toutes de la même manière. Comment on peut faire ça? Et ils expliquent, si tu achètes une Renault dans Kadjar à l'une, tu dois acheter des Renault Kadjar à l'autre. Sais-tu que tu peux donner une Mercedes à la femme que tu aimes le moins et un vélo à la femme que tu aimes le plus? Les soeurs ne veulent pas ça. C'est pas dans le matériel. D'accord? Et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, vous voyez, la polygamie pose toujours des problèmes. Ça pose toujours des problèmes. Il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Continuons. Mais il reconnaîtra, voilà, le principe maintenant est là. Dieu utilise tous ses méandres, à condition d'injecter juste un principe. Vous entendez? C'est ça la faiblesse de l'Ancien Testament. Mais il faut avoir l'oreille pour entendre la pensée profonde de Dieu derrière les imperfections humaines, parce que Christ n'était pas encore venu et que l'Esprit n'était pas encore en eux. Vous me saisissez? Mais non, regarde. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qui n'aime pas et lui donnera sur son bien quoi? Une portion double. Vous voyez? Double portion, portion double, c'est la même chose. Car ce fils est le prémisse de sa vigueur, le droit d'aînesse
lui appartient. Donc, la double portion, c'est quoi? Le droit d'aînesse. Tout simplement. Tout simplement. Je ne veux plus appeler des volontaires parce qu'ils vont venir rapidement. Sinon, j'allais imaginer encore. Supposons que j'ai 5 fils. D'accord? Ils sont 5. Imaginez-les, hein, parce que je ne veux plus appeler des volontaires. Supposons que j'ai 5 fils. Avant de partir, je dois partager mon héritage, d'accord? Qu'est-ce que je fais? C'est très simple. J'ajoute 5 plus 1. Donc, je partage comme si j'avais 6 enfants. OK? Équitablement, 6 parts équitables. Et je donne double part au premier-né. C'est très simple. Donc, si tu as 2 fils ou bien tu en as 37, c'est la même chose. Personne ne veut de cette onction? Personne ne veut attraper ça? Vous voulez que j'augmente? 53? Avec une seule femme, hein? Attention. Donc, c'était ça, le droit d'aînesse. Vous comprenez? Donc, quand Élisée dit « Je veux la double portion de ton esprit », il est en train de dire « Je veux devenir ton premier-né spirituel. » En fait, je veux simplement être ton héritier spirituel. D'accord? Peu importe le niveau de ton compte en banque. Écoute, je vous prêche la sagesse de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut mettre ça en pratique dans sa vie? Comment on va mettre ça en pratique? Comment est-ce qu'on va mettre ça en pratique? Ne regarde pas au compte en banque de ton père. Ne regarde pas au nombre de maisons qu'il a, au nombre de voitures qu'il a. C'est rien, ça passe, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, souvent, les familles sont déchirées à cause de ça. Un chrétien avisé doit viser quoi? Il ne vise pas les chiffres. Il vise la bénédiction qui revient à l'aîné. Laisse tes frères et tes sœurs se battre pour ces choses. D'accord? Mais honore ton père de telle sorte qu'avant de quitter la terre, d'accord? Qui te laisse une parole. Laisse-leur ces choses-là. Amen. Je ne comprends pas quand les chrétiens se battent pour l'héritage de leur papa. Jacob a eu la bénédiction, il est parti. L'héritier matériel d'Isaac, ce n'était pas Jacob. Qui a continué à gérer ses troupeaux? C'était Ésaü. Mais quand Jacob est revenu, il était tellement béni qu'il n'en avait même plus besoin. Est-ce que les chrétiens peuvent comprendre Christ? Écoute, tu es en Christ? Tu es une personne qu'on ne peut plus enrichir. On peut pas enrichir un chrétien. Un homme, il n'y a pas un homme capable d'enrichir un chrétien. Écoutez notre Père par la foi. Il dit, je ne prendrai rien de toi de peur que tu dises que tu m'as enrichi. Ah non, je connais mon Dieu. Ah non, je vais laisser tout le poids sur lui. Alléluia. Je disais au premier culte, le loyer vient d'augmenter. Le propriétaire, parce qu'on a eu un échange difficile, il pensait que j'allais le supplier. Quoi? Moi, supplier un homme? Mais moi, je ne suis pas un commerçant. Je fais l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Écoute, si on ne peut pas payer le loyer de l'église, on t'a qui? Ah, pas moi. Hey, devant toi, c'est ton œuvre. Tu as dit, je bâtirai mon église. Il n'a qu'augmenté jusqu'à 80 000 dirhams. Devant toi. Tendre la main à un homme. Pourquoi? Mais celui qui me donne, c'est lui qui est béni. Celui qui me donne, c'est lui qui gagne. C'est d'abord le droit d'aînesse. Ok? Ok? En double portion, c'est le droit d'aînesse. Il ne demandait pas le double de son onction.
D'accord? D'accord? Deuxièmement, 1 Samuel 1, verset 5. Là encore, il est nécessaire que nous contextualisions dans la vérité présente. Ok? Parce que Dieu a amené des vérités éternelles à travers des vies imparfaites qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Verset 5. Nous avons là un homme, Elkana, qui avait 2 femmes. Lesquelles? Anne et Pénina. Et lui, son cœur aimait Anne. Mais je dis à Elkana, tu aimais Anne, qu'est-ce que tu es allé faire avec Pénina? Hein, Elkana, toi aussi. Et vous savez, Pénina s'est rendu compte qu'elle n'était pas aimée. Alors, pour équilibrer, la Bible dit que Dieu rendit Anne stérile. Pour équilibrer la pauvre Pénina. Mais c'était pour un temps, hein? N'est-ce pas? Anne a eu Samuel, un enfant éminent, et d'autres fils après. D'accord? Dieu ne rend pas les gens stériles. Dieu ne rend pas les gens malades. Dieu ne donne pas la mort aux gens. Dieu ne fait pas posséder les gens de démons. Donc quand vous entendez un esprit mauvais venu de l'Éternel, arrêtez-vous, venez nous poser la question, on va vous expliquer. Il n'y a pas un démon auprès de Dieu pour envoyer chez les gens. Il est tellement, tellement, tellement saint. Il n'y a pas de maladie en lui pour polluer les gens. Il est tellement, tellement bon. Ok? Mais il y a une idée ici. Alors, Elkana donnait une portion double à Anne. Pourquoi? 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 Donc la double portion est quoi encore? C'est le symbole de l'amour. Alléluia. Alléluia. Élisée est en train de dire à Élie, écoute, tout ce qui m'importe, c'est d'occuper une place spéciale dans ton cœur. Il n'y a rien que tu peux me donner qui soit plus important que ça. Je veux savoir que je suis ton bien-aimé. Je veux savoir que je suis ton préféré. Et supposons que Christ soit notre Élie. Je veux savoir, Seigneur, que je suis ton bien-aimé. Je veux savoir, Seigneur, que je suis ton préféré. Je veux savoir que tu m'aimes plus que eux tous. Ils ont refusé de dire amen. C'est ma foi. Mais ça veut dire quoi? Nous savons très bien. Voilà, c'est là où il faut connaître Dieu. Sinon, la parole ne peut pas te parler de manière appropriée. Sinon, il y aura des erreurs qui vont se glisser parce qu'on ne connaît pas Dieu. La Bible ne se comprend pas avec son cerveau, mais avec son cœur, par le Saint-Esprit. Nous savons que Dieu ne fait exception de personne. C'est-à-dire qu'il n'a pas de parti pris. Il n'a pas d'enfant chéri. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si vous entendez quelqu'un vous dire, un prédicateur vous dire que Dieu n'a pas d'enfant chéri, dites-lui, je conteste. Je conteste votre honneur. Objection, votre honneur. Et on dit, parole à la défense. Et tu te lèves et tu dis, Dieu n'a que d'enfant chéri. Vous entendez? Chaque enfant de Dieu est un fils unique. Dieu aime chacun d'entre nous comme s'il n'avait que nous comme enfants. Dieu aime chacun d'entre nous de la même manière exacte. Exactement, exactement, exactement. Je ne sais pas comment le dire en français. Qu'il aime Jésus. Amen. Pourquoi? Rends-moi mon sang, dira mon frère. Non, attends. Oh, j'ai perdu mon sang, dira mon Seigneur. Tu ne peux pas acheter un stylo à 5 dirhams et dire que ce stylo vaut moins que 5 dirhams. Nous avons été rachetés à un grand prix. Pour m'avoir, il a échangé Jésus. Qui va me dire que je suis moins que Jésus? Qui est ce démon qui va me dire ça? Qui est ce pasteur qui va me dire ça?
Dieu a élevé ma valeur. Il a dit, mais ton père ne connaît pas ta valeur. Ta mère ne connaît pas ta valeur. Ton frère, ta soeur, tes amis ne connaissent pas ta valeur. Tes voisins ne connaissent pas ta valeur. Quand je te regarde, je vois Jésus. Pour moi, c'est kiff, kiff, pelle, pelle. Ou Jésus ou toi. Tu ne peux pas acheter un truc à 5 dirhams. Après l'avoir pris, tu dis, ce truc vaut moins que 5 dirhams. Mais c'est pas, c'est la folie. Dieu n'a pas d'enfant chéri. C'est archi faux. Dieu n'a que d'enfant chéri. Chaque enfant est unique à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Pour toi, il donnera des nations. Pour toi, il déplacera les montagnes. Horaba Chantarakai. Qui t'a dit que tu ne vaux rien? Qui t'a dit que tu es foutu? Qui t'a dit que tu n'as pas de valeur? À cause de tes péchés? Mais quand Jésus est mort à la croix, tu étais propre? Tu étais propre? Ta valeur n'a pas diminué d'un iota. C'est juste de la couverture, une opprobre qui t'a enveloppé. Mais ta valeur intrinsèque n'a pas changé. Vous avez entendu opprobre? Vous avez entendu le mot opprobre? Allons-y dans Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 7. Vas-y, suis-moi vite, sinon tu vas ralentir l'onction. Au lieu de votre opprobre, vous aurez quoi? Vous aurez quoi? Ah donc quand il demande la double portion, il est en train de dire quoi? Enlève ces scories, enlève cette opprobre qui m'enveloppe, afin que ma valeur intrinsèque soit manifestée, alléluia. Vous prenez un lingot d'or, vous le jetez dans une fosse septique, et il reste là-bas pendant 20 ans. Est-ce que l'or perd sa valeur? Et perd sa valeur? Et Gilgal, c'est quoi justement Josué 5? Il dit, aujourd'hui je roulais l'opprobre de dessus vous. C'est pour ça que Gilgal est important. Voilà, l'homme de Gilgal sait qu'il a un cœur nouveau. Mais il y a l'opprobre qui l'enveloppe. Il dit, mais Élie, je ne peux pas opérer au niveau où je veux. Parce qu'il y a quelque chose qui me retarde. Ma valeur intrinsèque n'a pas changé. Je suis la justice de Dieu. Mais je vois dans mes membres des choses qui me poussent à la maladresse. Je vois que je ne marche pas dans la droiture. Et si je continue comme ça, je ne pourrai pas marcher pleinement dans la voie de Dieu. Et si je ne marche pas pleinement dans la voie de Dieu, je ne pourrai pas m'emparer de cette montagne. Enlève cette opprobre. Je viens à Gilgal. Donne-moi la double portion. Enlève ça. Regardez cette femme. Elle a tellement péché qu'elle n'a plus de nom. On l'appelle la femme pécheresse. Jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Elle a versé ses larmes. Elle a essuyé ses pieds. N'a-t-elle pas été restaurée? Peu importe ce que tu as fait dans la vie, viens à Christ, mon ami. Amen. Peu importe les conséquences, il te dédommage. Il va enlever cette opprobre. Et te doubler quoi? Te donner quoi? Double portion. Ne laisse jamais personne te dire que tu es fini. Ne laisse jamais personne te dire que tu es foutu. Ne laisse jamais quelqu'un te faire croire que cette maladie est incurable. Il n'y a pas de maladie incurable pour ceux qui ont la science de Christ. Pour ceux qui ont Christ comme médecin, il n'y a pas de maladie incurable. Même la mort n'a pas de pouvoir parce qu'il est la résurrection et la vie. Même quand on dit, tu sens déjà, Jésus est debout, il dit, ôte la pierre. Seigneur, ôte la pierre maintenant. Pourquoi tu as accepté ça? Pourquoi tu as accepté ça? Pourquoi? Au propre. C'est étonnant, lorsque vous lisez Josué 5, ces enfants n'avaient pas le problème de leur père. Mais l'opprobre a continué. Mais à Gilgal, Dieu a enlevé. Je dis au nom de Jésus, les fautes que tu subis, liées, qui sont les conséquences des mauvais choix de tes parents, s'arrête maintenant au nom de Jésus. Les choses que tu subis liées à la mauvaise gestion de ton pays, de ton gouvernement, s'arrête maintenant au nom de Jésus. Double portion. Fini l'opprobre. Dites avec moi, fini l'opprobre. J'ai la double portion. Voilà la double portion. Et
en a trois allusions. Maintenant que nous possédons ces choses, il nous reste simplement à les mettre à l'action. Alléluia. La double portion de son esprit. Nous n'allons pas éviter les mots. Supposons, d'accord, vous pouvez me suivre encore? Supposons qu'il était possible que Élie donne à Élisée la double portion de son esprit. Enfin, de quoi il est question? Il est question de ces trois explications que nous avons données. Maintenant, qu'en est-il dans la Nouvelle Alliance maintenant, d'accord? Qu'en est-il maintenant que nous sommes en Christ? Ok? Avons-nous le droit de demander à Jésus le double de son esprit? Cela voudrait dire quoi? Demander à Dieu, à Jésus, le double du Saint-Esprit. C'est une insulte. Cela voudrait dire demander à Jésus quelqu'un qui est plus grand que le Saint-Esprit. Quelqu'un qui vaut deux fois le Saint-Esprit. Et c'est grave. N'est-ce pas? C'est grave. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il dit, va dans la parole. Allons dans la parole. Vous êtes prêts? Vous voulez aller dans la parole? Jacques chapitre 4, verset 5. Là maintenant, on parle de nous. Dites avec moi, on parle de nous. C'est de moi qu'il s'agit. Jacques 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Attendez, avant d'aller plus loin. Regarde, pourquoi l'apôtre parle comme ça? Il dit, mais est-ce que vous croyez que l'Écriture parle en vain? Pourquoi vous banalisez ce que l'Écriture dit? Qu'est-ce que l'Écriture dit? C'est avec jalousie que Dieu chérit. Ouais. Ça devait être E avec E majuscule. Quelle est la vérité ici? La vérité ici, c'est quoi? C'est que l'Esprit de Dieu habite en nous. Non? Non? Voilà, c'est pour ça qu'il insiste. Il dit, mais croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Dieu est en train de nous dire, je fais habiter mon esprit en vous. Ok? Question. Où est le Saint-Esprit maintenant? Réponds. Où est le Saint-Esprit maintenant? Vous êtes sûr? Corinthiens 6, 19. Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas, regardez, ne soyez pas pressés. Ils voient qu'ils ne le savent pas. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne savent pas qui ils sont. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de qui? Qui est où? Et que vous ne... Le Saint-Esprit est où? Dans mon corps. Il est en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Non? Éphésiens 2, 22. Voyez comment il répète. Il répète. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être quoi? En esprit. Il dit, vous êtes édifiés pour que l'esprit habite en vous. Et c'est à cause de cela qu'on vous appelle l'habitation de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Dites-moi, maintenant répondez-moi, quelle onction de plus on peut donner à un enfant de Dieu? Quelle portion? Est-ce que vous pouvez me répondre? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? C'est une affaire d'être conscient.
Si tu n'es pas conscient de ça, tu vas aller chercher à être loin. Mais non, nous avons celui qui donne l'onction. Il habite en moi. Qu'est-ce qu'on peut me donner de plus? Est-ce que vous croyez ça? Il n'y a pas de double portion à chercher. Il n'y a pas de double portion de l'onction de qui que ce soit à chercher. C'est ça la ligne d'arrivée. La conscience que celui qui oint habite en moi. Et que Dieu me regarde comme son premier-né. Il me regarde comme son fils unique. Et à cause de cela, il me dédommage de toute opprobre du passé. C'est ça la ligne d'arrivée. Quelle montagne vous poursuivez? Romains 8, 15. Il est bon que nous lisions afin que nous puissions réaliser. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mon ami, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu n'as pas le droit d'avoir peur de quoi que ce soit. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Tu n'es pas un esclave. Spirituellement, tu es un enfant d'adoption. Nous parlons d'adoption, n'est-ce pas? L'esprit d'adoption, il nous a pris, il nous a intégrés dans la famille de Dieu. Nous avons trouvé grand frère Jésus. Et il dit, papa ne vous regarde pas moins que lui. Jésus n'est pas plus fils de Dieu que tu ne l'es. Et je ne suis pas moins fils de Dieu que Jésus l'est. Est-ce que quelqu'un accepte ça? Et nous devons crier « Abba, Père !» Pourquoi? Pour faire taire nos propres doutes. Parce que si tu le fais doucement, la petite voix de doute va essayer de te persuader, de te ramener vers le bas. Regardez, ils écrivent « mon Père, char d'Israël et sa cavalerie !» Il a besoin lui-même de déclarer ça. Parce qu'il y a une autre voix qui peut dire, il est parti, c'est fini pour toi. Non! Je crie, Abba Père! Quand une situation m'emmène à avoir peur, je me lève, je dis, Abba Père! Quand une inquiétude commence à me titiller, je me lève là où je suis tout seul, je dis, Abba Père! Quand la vallée de l'ombre de la mort vient m'envahir, je me lève, je crie, Abba Père! Parce que je ne veux pas accepter la petite voix qui veut me ramener à la mentalité d'esclave. La voix de l'adoption doit parler plus fort que la voix d'esclavage. Tu m'entends ça? Tu dois le dire à haute voix pour toi-même. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Quand la peur me sollicite, quand je commence à regarder le lendemain avec inquiétude, quand je commence à me dire, mais qu'est-ce qui va arriver de mes enfants? Ils sont en train de grandir. Qu'est-ce que je veux faire? Quand les choses commencent à m'assailler, je me lève et je dis, Abba Père, c'est de ta responsabilité. Tu es mon papa. Le ciel et la terre sont à toi. Je sais à qui j'appartiens. Abba Père, Abba Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Faut pas jouer avec ça. Parce que ça risque de t'attirer vers le bas et de te ramener en arrière. Je ne joue pas avec ça. Ne néglige pas ça. Hein? D'accord? Ne néglige pas l'évangile. D'accord? Tu m'entends? La peur nous envahit tous les jours. Elle nous sollicite tous les jours. Nous devons réagir. Alléluia. Et nous ne devons pas réagir mollement. Tu m'entends? Tu es un fils adoptif. Est-ce que Jésus peut avoir peur? Est-ce que Jésus peut avoir peur de quoi que ce soit? Alors toi non plus. Abba Père, tu m'entends? Tu dois apprendre à crier ça. Je sais que la peur te sollicite souvent. Et moi aussi, Abba Père.
Je suis dans l'avion. Je traverse une zone de turbulence. Abba Père. Je ne sais pas ce que je vais manger demain. Abba Père. Je ne trouve pas du travail. Abba Père. J'ai la migraine. Abba Père. Je reçois de mauvaises nouvelles de la famille au pays. Abba Père. 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 Yesta pro yakandara bashatarada. Karimo shetereda gayanta kubara santaraba. Ora kasinte braya koraba sante. Laisse papa t'entourer de son amour. Laisse papa te convaincre de son amour. Laisse papa te combler de son affection. Chanderi kabo santa braya lamante. Shekelimanto taladigo sante brayakom. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Yisando braye kente talaba chatsoranda. Abba Père, tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu prends soin de moi comme tu as pris soin de Jésus sur la terre. Un jour il était assailli. On a voulu le tuer avant le temps. Mais il passa au milieu. Moi aussi je passerai toujours au milieu. Tant que ce ne sera pas mon temps, je passerai au milieu. Je passerai au travers. Car personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut me tuer. Personne ne peut me vaincre. Abba Père. Abba Père. J'ai le même privilège que Christ. J'ai la même position que Christ. J'ai les mêmes droits que Christ. J'ai les mêmes faveurs que Christ. Je jouis de la même affection que Christ. Abba Père. Abba Père. Abba Père, fais taire cette voix de doute. Je fais taire cette voix de doute par la puissance du Saint-Esprit. Je fais taire cette voix d'incrédulité par la puissance du Saint-Esprit. Je fais taire cette voix de peur par la puissance du Saint-Esprit. Tu n'es pas en danger. Tu n'es pas en danger. Tu n'es pas en danger. Rako Santebraya. Mirado Shekete Baranto. Irabako Santenama. Eyako Rabasanta. Ton père et ta mère t'abandonnent, mais tu as un père élevé. Il t'abandonnera jamais. Il a fait de toi son héritier, co-héritier avec Christ. Irabo Shatababa, la bénédiction d'Abraham est ton partage. La terre entière t'appartient. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'ai tout pleinement en Christ. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Que mes ennemis se lèvent, qu'ils se lèvent. Ils auront affaire à l'Esprit de Dieu. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il met maintenant tes ennemis en déroute. Il met tes ennemis en déroute. Il cherche la porte pour fuir. Ceux qui t'avaient assailli sont en train de fuir maintenant. Je vois l'esprit de peur fuir. L'esprit de peur est en train de fuir maintenant. L'esprit de peur est en train de fuir. Il est en train de fuir. Il y a la panique dans le camp de l'ennemi. Il y a la débandade dans le camp de l'ennemi. Parce que je crie Abba Père. Oh, Abba Père. Abba Père, Abba Père. 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 Je suis comblé de son amour. Je suis comblé de son affection. Je suis son enfant chéri. Je suis le disciple qu'il aime. Je suis le fils qu'il aime. Je suis son enfant préféré. L'opprobre est en train de s'en aller maintenant. La honte est en train de s'en aller maintenant. La confusion est en train de s'en aller maintenant. La honte est en train de s'en aller. L'opprobre est en train de s'en aller. La confusion est en train de s'en aller. Au nom de Christ Jésus, opprobre, va-t'en maintenant. Au nom de Jésus, honte, va-t'en maintenant. Le manteau de deuil
est en train d'être ôté. Reçois un diadème. Reçois une couronne. Reçois un manteau de gloire maintenant. Cela vient sur toi au nom de Jésus. Reçois-le maintenant. Reçois-le. Sois distingué maintenant. Sois distingué. Deviens excellent maintenant. Au nom de Christ Jésus. Sois distingué. Sois distingué. J'appelle l'excellence sur toi. J'appelle la perfection sur toi. J'appelle la guérison sur toi. J'appelle la santé sur toi. J'active dans ta vie maintenant. La loi de l'esprit de vie en Christ est affranchie maintenant de la loi du péché et de la mort. Yes, Sakoba là-bas. Des fleuves d'eau vive pour ta propre guérison sont en train de jaillir de toi maintenant. Des fleuves d'eau vive, ils ne viendront pas de l'extérieur, car le Saint-Esprit habite en toi. Il habite en toi. Il habite en toi. Ces fleuves jaillissent pour ta guérison. Ces fleuves jaillissent pour ta libération. Tes fleuves jaillissent pour ta purification. Reçois-les maintenant. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. J'appelle le dédommagement maintenant. J'appelle le dédommagement. J'appelle la restauration sur ta vie. J'appelle la restauration. J'appelle la restauration. J'appelle la restauration. J'appelle le dédommagement maintenant. Reçois-le. Reçois. 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 Restitution. Dédommagement. Restitution. Dédommagement. Restitution. Dédommagement. Restitution. Dédommagement. Au nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus. Irabo Sante Rabaya. Parle en esprit maintenant. Yekonta Brada Santoromo Shatarada. Gelele Yantalarada. Rosondo Baba Kilele. Yebranda Raka Shaka Daramandarada. Iratakaba Shentere. Oh Braba Baba Yako Santaraba. Active. Active maintenant. Active la loi de l'esprit de vie en Christ. Active-la maintenant. Fortifie ta foi en donnant gloire à Dieu comme Abraham. Fortifie ta foi en donnant gloire à Dieu. Shekorande Bababa. Jésus est au-dessus de tout. Il est le Seigneur. Il est mon grand frère. Il est ma part. Il est ma possession. Il est mon héritage. Il est mon standard. Christ est mon standard. Christ est mon standard. Kabo Shate. Manto Kadaraya. Siklando. Oh, Parada. Chandereko, Tabra. Oh, Silakonte. Merci, Saint-Esprit. Ah, Yakout. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Ne t'arrête pas en chemin, mon ami. Ne t'arrête pas en chemin. C'est une grâce que nous expérimentons. Consomme-la jusqu'au bout. Consomme-la jusqu'au bout. Ne t'arrête pas à Bethel. Ne t'arrête pas à Jéricho. Traverse le Jourdain. Traverse le Jourdain. Traverse le Jourdain. Traverse le Jourdain. Oh! Oh! Traverse le Jourdain, traverse le Jourdain. Ne t'arrête pas vis-à-vis. Traverse-le. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père. Le nom de Jésus est le manteau qui nous a laissé. Le nom de Jésus est le manteau qui nous a laissé. Au nom de Jésus, nous séparons les Jourdains. Au nom de Jésus, nous triomphons des obstacles qui se dressent contre notre marche dans le surnaturel, qui s'adressent contre notre marche dans la victoire. Au nom de Jésus, le nom de Jésus
et le manteau qu'il nous a laissé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le manteau qui est sur l'église maintenant, c'est le nom de Jésus. Jusque-là, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Que faites-vous de ce manteau? Pourquoi demandez-vous de petites choses? Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Le nom de Jésus, le plus élevé, le roi des rois. Son nom, c'est Jésus-Christ. Le nom de Jésus, le plus élevé, le roi des rois. Son nom, c'est Jésus.